nombre de voitures dans le monde doublera d'ici 2050. Deux fois plus d'embouteillages. Deux fois plus d'émissions dans l'atmosphère. Deux fois moins de paysages naturels. Personne n'a encore réussi à créer un transport capable de résoudre ces problèmes jusqu'à ce que Skyway propose ce projet. Transport innovant qui se déplace au-dessus du sol sous des rails à cordes à haute résistance. Les câbles annoncés à l'intérieur du rail peuvent rendre l'escalade Skyway jusqu'à trois fois plus résistant que les ponts conventionnels. Les escalades robustes rendent le mouvement doux et difficile. La construction ne nécessite presque pas d'espace sur le toit. Les supports de transport à cordes peuvent être érigés n'importe où sur la planète, utilisant du chaud pour percher les sols. Le moteur électrique Skyway rendra l'atmosphère plus sûre. Pour assurer la meilleure qualité des transports, la production Skyway utilise certaines des technologies les plus modernes. La plateforme numérique 3D Experience et l'équipement américain HASS qui sont utilisés dans la construction d'avions et de fusées spatiales. Le créateur de la technologie, ingénieur Anatoly Grodzki, a développé le projet Skyway depuis plus de 40 ans. Il a écrit des dizaines d'articles scientifiques, a reçu deux subventions de l'ONU et a lancé la production des transports à cordes en 2016. Depuis lors, Skyway a été présenté à internationale de Berlin à Singapour. Les réalisations du projet sont discutées par les médias du monde entier, CNN à Tirido. Les nouveaux développements de Skyway sont présentés chaque année au centre d'essai Ecotechnopark. 5 types de vie, 11 types de transport à cordes et des milliers de passagers à un seul endroit. Aujourd'hui, le projet se prépare à entrer sur le marché mondial du transport. Aux Émirats arabes unis, l'un des projets les plus ambitieux est mis en lieu, le centre d'innovation Skyway à Sharjah. Route, laboratoire et infrastructure de la ville linéaire. Le centre Skyway sera le point de départ du développement du projet au Moyen-Orient. Dans ce financement participatif, des centaines de milliers de personnes ont investi dans le projet. Des milliers de ceux pour qui Skyway est plus que le transport. C'est un avenir sûr, de véritables réalisations des idées globales. Vous aussi, vous pouvez contribuer au développement d'un transport prometteur et sûr. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue, une fois de plus, à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Je suis content de vous voir une fois de plus aujourd'hui à cette séance qui, pour moi, est très, très, très particulière parce que nous avons une très, très bonne nouvelle qui nous arrivera dans les jours à venir. Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous verrons le transport à cordes et ses avantages. Puis, nous aborderons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport. Nous verrons les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui entre sur le marché, qu'on appelle Sky Transport. Et je vous montrerai comment vous pouvez donc contribuer à l'avènement de ce transport écologique, quels avantages et perspectives vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, les dernières nouvelles du projet viendront donc par la fin, afin que nous puissions rester up-to-date, okay, à jour par rapport à l'évolution des travaux dans ce projet. Alors, commençons. Bien évidemment, je suis Donatien Gérard Tatchou et j'ai rejoint, bien évidemment, le transport à cordes en 2018. Je suis Camerounais et je me bats toujours, chaque jour qui passe, pour que le maximum de personnes puissent rejoindre cette technologie avant qu'il ne soit trop tard. Nous parlons du transport à cordes. Qu'est-ce que c'est? C'est un transport qui se déplace sur des rails à cordes à haute résistance au-dessus du sol, qui permet donc, grâce à la ligne de transport, d'éviter les embouteillages, d'éviter la pollution de l'atmosphère, de l'environnement, car il fonctionne
à l'électricité et au gaz respectueux de l'environnement. Pas de frontières, parce que ce transport peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel climat. OK. Ce système de transport répond à quatre problèmes majeurs que rencontre le système de transport actuel. Le problème de sécurité, l'écologie, l'économie et la vitesse de déplacement. En termes de sécurité, la structure de trajet est située au-dessus du sol. Cela augmente la sécurité jusqu'à près de 100 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter tout facteur humain, donc pas d'embouteillage. Pour ce qui est de l'écologie, le transport est alimenté par l'électricité, comme je vous l'ai dit. L'économie. Les frais de construction des voies U-Sky font jusqu'à 10 fois moins élevés que tout autre type de transport. En termes de vitesse de déplacement, le transport peut aller jusqu'à 500 km par heure. Alors, l'un des défis du secteur des transports aujourd'hui est la croissance constante de la population dans les villes. L'utilisation croissante donc des transports aggrave les problèmes de congestion, de trafic, d'accidents et de pollution, comme on peut le voir sur cette image. Plusieurs tentatives aujourd'hui ont été mises sur pied pour résoudre ces différents problèmes, mais sont toujours avérées inefficaces. Alors, voici ce que U-Sky, U-Sky String Technologies, propose. La compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers constituées de Unibike, Uniwind, Ubus et Unitruck. Ici, la compagnie propose aussi des véhicules qui vont jusqu'à 500 km par heure comme l'UFlash et aussi un Nucant. Alors, ici nous avons une image globalisée des différents modèles de véhicules dans la technologie. Ici, on a un Nuwind avec une vue différente pour que vous puissiez mieux apprécier et aussi quelques caractéristiques de ce véhicule. Alors, le Nuwind, après on a le Nibike, qui est un véhicule de tourisme léger, hors bord monorail, qui peut aller jusqu'à 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative à la voiture, au vélo ou bien même à la moto. Donc, voici le premier modèle du Unibike. L'Unibus, c'est un véhicule électrique de tourisme. Il est destiné au transport urbain et interurbain. 14 places. Ubus, toujours. Ici, nous avons affaire à un unique car qui peut aller jusqu'à 150 km par heure à vitesse de croisière. Ce véhicule électrique des passagers à suspension à double rail. Elle est élégante et conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Une autre image. Là, on a un unique car version tropicale qui a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et humides afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. Alors, l'Unicar Tropical, j'ai été moi-même déjà à Sharjah au Centre de Recherche et d'Innovation Technologique où j'ai pu toucher cette Unicar Tropical de mes propres mains. C'est un engin magnifique. Ici, nous avons une image du curateur régional pour le Cameroun dans un unibike, dans cet unibike-là, au centre de Sharjah. Alors, ceci, c'est un uniflash, véhicule électrique de tourisme suspendu sur roue en acier. Il est conçu pour le trafic urbain des passagers et des marchandises sur une distance allant jusqu'à 100 000 km. Le fonctionnement d'un uniflash permet pendant 25 ans d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Qui ne voudrait pas économiser autant d'argent? Ce transport, c'est la meilleure technologie de transport au monde, je vous assure. Ainsi,
1000 U flash avec l'aérodynamique unique, les propriétaires peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de 20 milliards de dollars. Voici donc les images du leader du monde entier devant cet uniflash avec Dr. Anatoly Yunitskiy, je crois, du Ghana, Nigeria et du Cameroun. Alors, transport de marchandises. Ici, nous avons affaire à des systèmes de transport utilisés pour le transport des marchandises. On a l'Unitruck, l'Unitrans et l'Unicant. Alors, l'Unitruck est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac avec une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure. Chargement, déchargement automatique. L'Unicant, quant à lui, est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 à 40 pieds. La vitesse de transport maximale, c'est 150 km par heure. Chargement et déchargement automatique. Unitrans, c'est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et déchargement des terminaux portuaires maritimes. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants de matériaux. Alors, ce système de transport peut être utilisé dans les ports maritimes. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de marchandises U-Sky dans le port maritime sont. Nous commençons par la livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à une distance de 5 à 10 km au plus de la côte. L'amarrage des grands navires ne nécessite donc pas la création de murs de quais, de dragage ou de renforcement à terre. Alors, la vie linéaire en union avec la nature, U-Sky. La piste U-Sky contribue au développement de villes linéaires. Les villes linéaires U-Sky peuvent être construites dans les montagnes, les zones désertiques et inondées, y compris celles avec un terrain difficile, ainsi que sur le plateau marin. Une ville respectueuse de l'environnement, avec des complexes de transport et d'infrastructures U-Sky intégrés, utilisant les technologies brevetées de rails U-Sky et de viaducs U-Sky. U-House, ici on a affaire à un Eco-House. Verse un éco-house vert, écologique et durable. La seule aux Émirats arabes unis, construite entièrement à partir de bois. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que la maison traditionnelle en briques et en béton. Comment fonctionne donc cette technologie magnifique dont nous parlons? Elle fonctionne sur des rails à cordes, comme on l'a dit. Ici, vous avez la structure du rail avec les différentes parties. Vous voyez les ficelles qui peuvent supporter un poids énorme. À l'intérieur, vous pouvez voir le corps du rail qui est fait à base de béton flexible. Et grâce à cela, le rail peut être en danger à cause des tsunamis. Le rail ne peut pas être en danger, je veux dire, à cause des tsunamis, ouragans ou tremblements de terre au-dessus. Du rail, il y a une combinaison de métaux. Okay. C'est un métal. Cet ensemble de combinaisons associées au béton flexible a permis à Anatoly Yunitskiy un brevet. Les gens demandent souvent si les rails peuvent se dérailler. Il faut savoir que l'intérieur, l'ingénieur, autant pour moi, a mis sur pied un système anti-déraillement spécial où vous pouvez voir sur la photo. Alors, les structures de rails à cordes sont 5 fois plus et 3 fois plus fortes que les structures de rails conventionnelles. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec des terrains difficiles et des sols faibles et des pergélisols, ainsi que les régions sujettes aux tremblements de terre et des zones inondables. Imaginez-vous, tremblement de terre ne panique pas, parce qu'on sait que cette structure de trajet a prévu tous ces éléments. C'est énorme. Alors, ici, nous avons les différents modes, ok, modèles, type de rail U-Sky, voilà. Nous avons les rails flexibles, qui ont une charge utile standard jusqu'à 20 tonnes, mode
à base de vitesse allant à jusqu'à 150 km par heure, une grande portée et jusqu'à 5 km en cas d'utilisation de chaînes composites, une structure de rail rigide et une structure de rail flexible. La rigide, c'est pour le transport des grands poids. Et la semi-rigide, autant pour moi, pour les charges utiles améliorées jusqu'à 30 tonnes. 300, elle peut aller jusqu'à 350 km par heure. Nous avons trois types de structures de rail qu'on peut construire dans cette technologie. Une structure de rail rigide, semi-rigide et flexible. Le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci a été conçu par le docteur Anatoly Nitsky et il a eu un brevet pour cela. Donc, les avantages de ce transport à cordes, regardons bien. Une voiture roule et l'air à circuler normalement. Voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont un aérodynamisme, un coefficient de traînée de 0,2. Avec les engins Husqvarna, ils circulent normalement au-dessus, au-dessous et même aux alentours avec une facilité grande. Son aérodynamisme est de 0,06, voire jusqu'à 10 fois inférieur, plus de 10 fois inférieur d'une voiture conventionnelle ou d'une voiture de course. Alors, pour cette raison, donc, cet engin permet d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Husqvarna surpasse tous les analogues de transport dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire sont très bas. La maintenance est très basse aussi. La consommation énergétique est aussi basse. La capacité est énorme. L'Académie russe des sciences affirme que Yuskai est un système de transport le plus rentable. Ici, on peut voir que le transport à cordes flash est jusqu'à 10 fois moins cher, okay, que les solutions de transport en perspective, même existantes. On voit ici le monorail, le train à suspension magnétique et aussi l'hyperloop. L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur, Anatoli Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est le créateur des systèmes de transport spatiaux et géospatiaux, ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur les technologies à cordes. Il a été chef de deux projets de l'ONU en 1998 et en 2002. Il est aussi membre de la Fédération de cosmonautique de l'URSS. Donc ici, on a une image qui montre les premiers complexes de rails à cordes de la première génération qui a été conçu en 2021 dans la ville d'Oziori. À cette époque, un camion ZIL 131 était utilisé comme module test et ses roues étaient enlacées et adaptées à une structure de voie ferrée. L'inventeur du transport à cordes a présenté son livre intitulé Capacité de civilisation de la maison spatiale appelée planète Terre. Il y a parlé des technologies nécessaires pour une solution globale aux problèmes environnementaux de notre planète, ainsi que la survie du développement progressif de toute l'humanité. Donc, le voici avec ce document en main. Quelques brevets et certifications également. OK. En 2018, l'entreprise a reçu un certificat pour le système de gestion selon la norme ISO 9001-2015. Alors, un certificat international confirmant donc la conformité du système de gestion de qualité appliqué par la technologie de transport à cordes. Unitsky Technology Inc. développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures UST conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. Transport à cordes aux Émirats arabes unis a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires, ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. à Sharjah.
Voici donc ce document qui était tenu tout à l'heure fièrement par notre CEO. Uniscripting Technologies aujourd'hui est un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Alors, une confirmation de cela est l'inscription de la société dans le registre pertinent des entités commerciales de la Chambre de commerce et d'industrie de Biélorussie. La réunion de la commission de Bel CCI à la suite de laquelle UST Inc. a été accepté dans la liste mentionnée a eu lieu à la fin de l'année dernière. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie biélorusse est une association volontaire de plus de 2500 entreprises qui représente tout le spectre de l'entrepreneuriat biélorusse. Une fois de plus, Uniscripting Technologies a obtenu le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de la Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. Plusieurs brevets ont déjà été obtenus par l'entreprise et sur cette image, vous pouvez voir juste quelques éléments. Tous les autres sites, tous les autres brevets et récompenses peuvent être obtenus, peuvent être vus, autant pour moi, sur le site uniski.ingénieur. La technologie a une renommée mondiale. Vous voyez, elle a déjà fait l'objet de plusieurs salons d'exposition internationaux et cela fait de nous une technologie qui est connue partout dans le monde. Regardez encore ici, nous étions présents à l'exposition internationale InnoTrans Berlin en 2022. Nous vous rappelons que la préparation de l'appel d'offres RTA pour la construction des routes à Dubaï est en cours. Production résultat. Alors, Uniscristring Technologies Inc. a réussi l'audit annuel des états financiers individuels. Une expertise à bel audit, LLC a effectué un audit conformément aux exigences de la loi des républiques de Biélorussie du 12 juin 2013, l'audit et aux règles nationales d'audit. Selon la conclusion de Fine Expertisa, les états financiers individuels annuels 6 juin reflètent fidèlement la situation financière d'Uniscristine Technologies à tout égard important. La société de développement des transports a passé donc un autre audit financier international effectué par l'entreprise BDO, qui est une entreprise biélorusse qui fait partie de l'Association internationale des sociétés indépendantes BDO International Limited. La succursale fonctionne depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés selon le financement du ministère des Finances de la République de Biélorussie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir? Voici le bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. La zone de production en Biélorussie, comme vous pouvez voir sur cette image. Et le but est de développer et tester les principes, les plus importantes solutions technologiques et savoir clé, savoir-faire clé également du transport à cordes. Ici, nous avons une extension de la zone de production en Biélorussie. L'ensemble constitué du centre test et des zones de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Alors, le centre test en Biélorussie est sur près de 36 hectares. Voilà quelques images. Là, on peut voir un étang, des étangs là, où des poissons sont élevés. Et lorsque il y a une visite d'une délégation et gouvernemental, on peut pêcher des poissons là-bas et leur faire goûter ces poissons pour qu'ils voient que ce transport effectivement est écologique. Notre entreprise donc combine jusqu'à 86 bureaux d'études, 36 bâtiments et structures de plus de 3 000 unités et sur 36
hectares, tout cela. Alors, nous avons un deuxième centre test jusqu'à à Sharjah, sur près de 28 hectares. Dans ce centre, plusieurs pistes sont construites. L'équipe du Niskin Technologies est composée de concepteurs, d'ingénieurs, concepteurs de projets, chercheurs hautement qualifiés et bien d'autres compétences. Alors, regardez cette annonce qui a été effectuée par le CEO Hussein Al-Mahmoudi, le CEO du parc de Sharjah. Il dit « Une start-up biélorusse en partenariat avec SRTIP a déjà construit des pistes d'essai suspendues qui pourront transporter cargaison et passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera la construction de ces routes dans la ville de Sharjah. » Ici, nous avons affaire à la directrice générale de Niskin Technologies, Mme Nadezhda Kozareva, qui est aussi l'épouse de notre CEO. L'équipe de Niskin Technologies est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation, une expérience de travail avec des projets majeurs dans plus de grandes entreprises. Ici, c'est une plaque d'essai au centre de recherche de Sharjah. Vous voyez, c'est bien indiqué. Ici, c'est l'équipe qui travaille à Sharjah pour le développement de notre projet de ce côté-là et du côté du Moyen-Orient. Donc, voici, avec l'UCAR tropical et un unicorn. Les contacts pour le centre de Sharjah, si vous voulez y faire un tour, visiter et voir ce transport de vos propres yeux, vous pouvez appeler pour pouvoir prendre rendez-vous. Et ici, c'est les contacts pour la Biélorussie, faire un tour à l'éco-techno-parc. Alors, le site web de Niskin Technologies a changé et aujourd'hui, le lien pour pouvoir y accéder, c'est celui-ci, https://ust.inc/. Alors, maintenant, j'aimerais partager avec vous ces dernières nouvelles du projet qui sont très, très, très intéressantes. Nous allons commencer par celle-ci. Alors, un projet de route jusqu'à Sharjah a été dévoilé. Niskin Stream Technologies, qui fait partie du Sky Transport. Niskin Stream Group, OK? Niskin Group, qui fait partie du Sky Transport, a préparé plusieurs applications pratiques de la technologie U-Sky Transport and Infrastructure à Sharjah pour le meilleur développement économique et social de la ville. Alors, le premier projet, c'est une ligne circulaire à l'ADIA, aéroport, mosquée, Sharjah University, d'une longueur totale de 38 km. Elle comptera 11 stations et sera desservie de 100 par 122 bus, U-bus de capacité de 16 passagers avec une vitesse moyenne de 88 km par heure. Il faudra 30 minutes à un U-bus pour parcourir tout le circuit avec tous les arrêts. Aux heures de pointe, ce complexe U-Sky desservira jusqu'à 10 000 passagers par heure. La route U-Sky facilitera la circulation des personnes autour de la ville, réduisant ainsi la congestion routière. Cela profitera aux résidents et aux visiteurs de Sharjah en rendant la ville plus attrayante pour la vie et les affaires. Alors, le deuxième projet, c'est la route de 45 km de longueur qui relie Al-Jada et Sharjah Safari Park via l'aéroport et Al-Ramani. Après avoir construit une section de 9 km de la route, les résidents et les visiteurs de la ville pourront se rendre à la côte de la mer. Le troisième projet, c'est le projet le plus long en fait, le plus difficile car il relie les deux côtes maritimes de Sharjah à travers les montagnes.
Il circule entre Jelal City et Kalba, s'arrêtant à Al-Qaïda, Sharjah Safari Park et Sifouni. La longueur totale de la route est de 106 km. Elle sera desservie par 103 bus UBUS avec une vitesse moyenne de 140 km par heure. La quatrième piste, le quatrième projet, c'est une route de marchandises et de passagers qui part du port de Amria et traverse la zone franche de Amria, la ville industrielle des Émirats et le terminal de conteneurs intérieurs de Sharjah. Le parcours est de 45 km et sera desservi par 89 bus UBUS, le nombre requis de camions U-Truck. Un U-Truck d'une capacité de 5 tonnes est capable de transporter sur cette route 170 tonnes de marchandises par jour dans deux directions. À côté de cela, le transport UST est un logistique énergétique efficace et économique. Une grande délégation de compagnies pétrolières et gazières des Émirats arabes unis, qu'on appelle ENOC, dirigée par Saïd Al-Faidi, directeur général du commerce de détail, a visité le centre d'essai et de certification Sharjah. La compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, ENOC, est le premier acteur mondial du pétrole et du gaz. Depuis le début de son existence, la société a contribué de manière significative à la diversification de l'économie et du développement durable de Dubaï. Faites un investissement aujourd'hui. Nous sommes déjà à l'étape 14.3 sur les 15 étapes de développement prévues. Et très très bientôt, d'ici le mois d'avril, nous passerons à la dernière étape, l'étape 15. Qu'est-ce que vous attendez? Contactez dès maintenant la personne qui vous a parlé de ce projet et elle vous aidera à vous inscrire. Tout le monde peut investir. Aujourd'hui, nous offrons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Et vous avez la possibilité de payer des paquets d'investissement sur 5 mois. Les perspectives d'investissement sont donc les suivantes, des dividendes. En participant à ce projet, vous aurez la possibilité d'abord de revendre, de bénéficier, OK, du dividende de la part des bénéfices des projets de l'entreprise. Le rachat des parts, la direction, la société peut annoncer un rachat des parts comme elle a fait en 2000. L'héritage. Ces parts d'action sont vos propriétés. Vous pouvez les léguer à vos enfants en héritage. L'entrée en bourse. La société peut décider d'une entrée en bourse plus tard. Et là, vous pourrez avoir la possibilité de profiter et de revendre vos actions sur ce marché à la valeur nominale de 1 dollar minimal. Alors, suivez donc notre projet sur les réseaux sociaux Facebook, Vécantech et Instagram. Rejoignez-nous, car ensemble, nous construisons le transport du futur. Je vous souhaite une bonne soirée et merci.